Ok Google, raconte-moi une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Deux puces sortent du cinéma. L'une dit à l'autre: on rentre à pied ou on prend un chien? Je crois que j'ai les vitres de voitures les plus lentes du monde. Et il pleut, donc c'est un scandale. Bonjour, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Je signale... Oh. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, je suis conscient. Mais je m'en fous, voilà. Juste à signaler comme ça, c'est que ce vlog sera entièrement fait à la GoPro. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on tape dans les mains, ça fait environ un bruit de 140 décibels. Regardez. C'est incroyable. Donc, je vais pas tarder à y aller parce que moi, tu sais que j'ai de la route. Donc, tu as gueule, t'es là-bas. Gaïs, faut vite me dire. Ta gueule. Ta gueule, tu dors là. Donc, alors, petit vlog des familles parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de cours aujourd'hui. C'est l'avantage d'être en BTS. Bravo! Donc petite journée bien sympathique, et je vais aller me faire couper les tifs cet après-midi, je vais vous emmener avec moi. Non. Putain, parce que je t'aurais claqué ta gueule. Et donc voilà, c'est parti, on est quel jour? On est le 31 janvier, magnifique. Mercredi 31 janvier, go ah Juste en fait, c'est quand t'as une gare, t'as des déposes minutes, tu sais. J'ai même 9 minutes 50 qui m'a dit que c'est cheaté. Putain, je vous disais que j'avais les vitres les plus lentes du monde. Une autre. Bonne Sainte-Catherine, hélas. Oh. Ah, ouais. La Sainte-Catherine, c'est la fête des célibataires. Ouais. Ça, c'est horrible. Ah, c'est une autre. C'est fini, t'as trop pris des habitudes de vieille fille. Oh. Et l'autre, alors elle est terrible, mais elle me fait rire. Mmh. Et non, tu pourras même pas finir bonne sœur, tu crois pas en Dieu. Oh. Oh, non. Oh, la cruauté du truc. Voici la liste des pires phrases à ne jamais dire à une célibataire. Si vous les avez pas notées, bah tant mieux. Allez, on vient tout de suite sur LRG avec Jayana et Bambi. Je suis désolé, hein, pour tous les célibataires de France. Mais... Ah merci. Moi aussi je... Mes pièces, putain. Je vous jure, on va tout faire soi-même. C'est la chanson du petit déjeuner. C'est Rico et sa poche tiquée. Mais les enfants, ils vont tout manger. Sinon, ça va tomber. Et ouais, ça pleut dehors. Bon, il est quoi? Il est 11h09, direction feu vert pour aller voir pour des ampoules de plaques d'immatriculation. J'en ai une de grillée. Vous voyez que je suis un gentil automobiliste. Je vais donc aller je vais chercher pour en avoir des neuves pour les remplacer. Soyez comme moi au volant, surtout s'il vous plaît. Ça serait bien.
trouvé d'ampoule. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc, bah, je suis triste. Donc, sur ce, je vais donc m'en aller. Je vais peut-être commencer à monter ce vlog. Parce que il continue de pleuvoir. C'est une mousson. Je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est n'importe quoi. Ah, puis safety first, ceinture. Pour plus de sécurité. Là, je vous passe, on n'est pas dans Dora l'exploratrice. Voilà, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Direct sur la gare pour aller chercher Seb. On va essayer de se faire avec Seb un meilleur jeu en voiture en revenant. On y va. Bien sûr, bon, toujours pareil, je pense que ce que je suis en train de dire est très raciste. Je pense qu'on va changer de radio, n'est-ce pas? Je pense changer de radio. Monsieur RTL. La suite de RTL Soir avec Marc-Olivier Fauché. Et d'abord le rappel des titres de l'actualité. Ah, Marco, Bénédicte Dassard. C'est Marco. La personnalité d'Alexis Laval, cette jeune femme tuée par son mari. Elle était folle, ivre et démoniaque. Mathieu Gallet, éjecté de la présidence de Radio France par le CSA. Hein, la pression. Ouais, de... Il est viré. Merci. Ce matin, l'islamologue est accusé de viol et de violence sexuelle par deux femmes. L'intellectuel suisse est en train de se défendre des faits qu'il a toujours niés devant la police judiciaire parisienne. Il était une fois dans cet état, je dis, je mangeais des frites. À travers les propos de, aussi bien de la défense que de l'avocat des parents d'Alexia Daval, que la jeune femme avait un caractère, on va dire, très fort, apparemment dominatrice, castratrice, humiliant, pour ainsi dire, jour après. Qu'il ne faut pas beurrer ses tartines avec de la graisse de phoque, puisque celle-ci est potentiellement dangereuse pour votre santé. C'est à consommer avec modération. Modération ? Si vous trouvez modération, vous nous appelez. Duplicité constructive pour des soupçons formels. Il est dans le déni ou pas ? Ou est-ce qu'il se construit un personnage ? Je pense qu'il se construit. À ton téléphone qui vibre. Et je m'en bats les couilles, parce qu'à tous les coups, c'est Médiamétrie qui essaie de m'appeler. Médiamétrie. Mais parce que cette personne est en train de se faire harceler par Médiamétrie, parce qu'un jour, elle a répondu à un sondage, et du coup, maintenant, elle l'appelle tout le temps. Ouais, ils m'ont dit qu'ils allaient rappeler, mais sauf qu'un coup, ils m'ont rappelé deux fois en une journée. Donc, vive Médiamétrie. Wouhou. Ta route. Général Morel, est-ce que les gendarmes le soupçonnaient dès le début, à votre avis? Écoutez, il y a, dans une enquête criminelle comme ça, au départ, il y a trois cercles, hein. Il y a le cercle rond et le cercle trigonométrique.
ce qu'on sait pas, c'est que des fois le cercle trigonométrique, c'est très difficile à dire, hein. Le cercle trigonométrique, des fois, joue un rôle très important dans tout ce qui est meurtre, surtout parce que les gens ne comprenaient rien. Finalement, ils sont en maths, assis sur leur chaise, ils ne comprenaient rien. Donc c'est ce qui peut provoquer éventuellement des dépressions très sévères, très profondes chez certains Français. Qu'est-ce que vous proposez pour éviter ceci? Pour éviter ceci, ce que je conseille, c'est un verre de Rosanna tous les jours. Bien, donc j'essaie de nous ramener entier à la maison. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Moi, je vais aller monter ce vlog. J'ai déjà démarré le montage de la moitié actuellement. Ah, carrément. Ouais. C'est très bien. S'il vous plaît, franchement, arrêtez de nous mettre court le mercredi après, mais sinon, je peux pas monter mes vidéos. Je peux pas, sinon. Merci. Allez, peace and love. Salut.